qui est très intéressant, donc on discutait au début notamment de la part qui a été mesurée dans les états généraux de la bande dessinée de la part des professionnelles femmes qui est de 27%. Mais pour l'année juste d'après, sur justement les rapports de l'Association des critiques et des journalistes de bande dessinée qui était fait par Gilles Ratier, où lui, il estime cette part des femmes à 12% des professionnels. Et en fait, déjà là, on a un premier écart qui est extrêmement significatif et qui est très simple à expliquer, qui est que Gilles Ratier, lui, il a mis un palier pour définir qu'est-ce qu'est un auteur ou une autrice de bande dessinée, qui était à 3 publications. Et donc, on se rend compte que déjà, en fait, bah, les femmes, elles accèdent aussi potentiellement beaucoup plus difficilement à l'édition de leur projet. Et donc ça, c'est déjà une première piste d'explication sur bah, en tout cas, la moindre présence des femmes dans les catalogues aussi. C'est potentiellement qu'elles sont moins publiées ou qu'elles vont avoir recours à d'autres modes de publication. Et puis aussi, effectivement, sur la question des quotas et sur la question de la qualité de l'œuvre, en fait, on se rend compte aussi que ben, ça se joue énormément sur des critères qui sont pensés potentiellement, qui vont faciliter aussi le travail des hommes. Par exemple, ça va être plus compliqué, par exemple, si une autrice, par exemple, qui est mère de famille et qui doit en plus de ça gérer son foyer, elle va avoir aussi beaucoup moins de temps à consacrer potentiellement à son activité d'autrice, ce qui ne va pas être le cas des hommes. Et puis, il y a aussi le réseau qui joue aussi énormément dans ces logiques-là, que ce soit pour effectivement les DRAC qui sélectionnent les œuvres qu'elles vont mettre en avant, ou que ce soit aussi pour les auteurs et les autrices. Et donc, en fait, c'est tout un système, effectivement, qui contribue à favoriser la présence des hommes dans ces milieux-là et à ce qu'ils deviennent professionnels. Souvent, les femmes peuvent avoir une carrière un peu moins avancée parce qu'elles prennent soin de leur famille, etc. Alors, ça parle que de mon métier, mais j'ai discuté il y a quelques années avec une coloriste qui, elle, faisait un album par an, deux, et moi, j'en faisais 7 ou 8. Elle trouvait ça beaucoup et elle me disait, oh là là, mais non, mais moi, je peux pas faire ça avec ma famille, c'est impossible, j'ai un enfant, j'en ai bientôt deux, etc. Et je m'étais dit, oh, mais peut-être que je peux pas être maman, ou peut-être que je peux même pas avoir de famille ou d'enfants si il faut que je mette ma carrière de côté. Et du coup, c'est vrai que la question s'était posée pas mal de temps. Et là, je suis devenue maman depuis pas très longtemps, moins d'un an. Et je me suis confrontée à pas mal de choses pénibles, comme la demande de mon congé mat qui a été très compliquée. J'ai dû me battre avec beaucoup de. Bah, parce que je suis artiste, donc il faut que je prouve beaucoup plus de choses que si j'étais salariée, etc. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à être enceinte et à vouloir avoir des droits, j'ai commencé à comprendre ce qu'elle me disait. Et évidemment, à l'avance, j'avais déjà réduit mon quota d'albums par an. Et je me rends compte évidemment qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire parce que, en effet, j'ai mon bébé à la maison, etc. Et c'est vrai que ça peut freiner et je peux comprendre si on est maman assez tôt, etc., que on puisse ne pas se lancer dans ce métier parce que ça prend aux tripes, ça prend du jour, enfin ça prend des heures et des heures par jour, du matin au soir. Il y a des fois je me couche à 2 heures du mat parce que j'ai pas fini ma page de la journée, mes pages de la journée, etc. Donc c'est vrai que d'avoir connu le avant et le après. Ça freine. Alors, dans n'importe quel autre métier, hein, je pense, mais c'est peut-être aussi une des raisons de pourquoi on est moins représenté. Est-ce que l'objectif, c'est de mettre aussi les femmes à 50% dans les catalogues et de dire, ben, c'est pas grave, on les surreprésente jusqu'à ce qu'elles soient aussi présentes dans les publications que dans les catalogues, par exemple, des bandes dessinées, pardon, des maisons d'édition, ou est-ce que ben, on essaye de faire un catalogue qui va être représentatif voilà, et ça dépend quel est l'objectif derrière, qui est de dire, on veut mettre en avant les autrices de bandes dessinées et dire qu'effectivement, c'est aussi un métier de femme. Qu'elles peuvent exercer au même titre que les hommes, ou est-ce qu'on essaye de mettre en avant qu'est-ce qui est la réalité aujourd'hui de, bah de l'espace, enfin, qu'est-ce qui est publié aujourd'hui, et on essaye de faire quelque chose de représentatif. Voilà, ça va aussi dépendre de ça.
Le problème, c'est que maintenant, il faudrait que le relais soit pris par des instances publiques. À partir du moment où la question des inégalités hommes-femmes, auteurs-autrices, je dirais même éditeurs-éditrices, sont reconnues comme étant un problème public, c'est-à-dire un problème public, un problème qui appelle à la responsabilité de l'État, si l'État estime qu'il a un rôle à avoir dans la gestion de ces inégalités-là, alors dans ce cas-là, il faut que ces politiques publiques soient mises en place pour justement continuer à documenter ces inégalités, à essayer d'identifier les mécanismes sociaux et organisationnels qui appuient ces inégalités pour réussir ensuite éventuellement à mettre en place d'autres politiques publiques pour les contrer. Ça, malheureusement, sans avoir des fonds, des financements publics pour ça, ça va être extrêmement compliqué. Heureusement, il y en a, et notamment par les institutions type Livre et Lecture dans les différentes régions qui mettent en place des études de cette ampleur-là, et faut vraiment les en remercier. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on peut regretter, c'est peut-être un manque de volonté de la part de certains organismes, notamment au niveau de l'État central, pour appuyer ces politiques publiques-là et financer des recherches qui permettraient de produire de telles données ô combien essentielles. Je vous suis à 100% là-dessus.